justement tout autour de nous. Aujourd'hui, c'est Idan Sarsiad, bonjour. Bonjour. Donc, merci d'exposer justement vos œuvres sur ce plateau. Vous êtes un adepte de la digigraphie. Alors, la digigraphie, c'est quoi? La digigraphie, pour faire simple, c'est la lithographie numérique. Pour faire plus compliqué. Oui, s'il vous plaît, parce que là, c'est un peu court, là, quand même. La lithographie numérique, donc, c'est un système d'impression qui utilise des imprimantes professionnelles Epson avec des encres Epson ultra-chrome à durée de vie qui vont en 2-3 fois supérieure à l'argentique et jusqu'à 100 ans. Quoi. D'accord. Donc un système d'impression qui pérennise l'œuvre reproduite. Donc elle permet de reproduire des œuvres d'artistes, photographes, plasticiens, sur des supports nobles. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est elle est estampillé par un poinçon à froid qui est nominatif à l'artiste. D'accord. Troisième point, Epson va créer prochainement un site qui va regrouper ces digigraphies des différents artistes. Donc, ils pourront avoir leur portfolio et présenter leur œuvre au public. Et parce que vous êtes combien en France? C'est une poignée. Ben pour l'instant, ils ont créé un comité qui est composé de photographes et de plasticiens. Donc il y a les frères Pisson, l'Armeroux, Leroux, les studios Harcourt, un artiste numérique qui est Cyril Angelidis et moi-même. D'accord. On est là pour pérenniser, améliorer, enfin superviser un peu comment va évoluer cette digigraphie. Cette technique. Et comment vous êtes tombé, entre guillemets, dans la digigraphie, vous, quel est votre parcours dans l'art pour arriver à ça aujourd'hui? Je suis moi au départ un artiste plasticien classique. Mmh. Un jour j'ai découvert l'ordinateur, donc l'outil graphique. Mmh. Il m'a servi au départ comme un outil pour approcher, étudier mes sujets de technique traditionnelle. Et puis progressivement c'est devenu un outil créatif à part entière. Quoi. Et là sur le plateau on peut voir beaucoup d'œuvres qui sont tirées directement de vidéos ou de photos numériques retravaillées par l'outil graphique. Justement, en fait, on voit pas mal de thèmes différents sur vos tableaux. Qu'est-ce que c'est exactement vos thèmes de prédilection? Le mouvement essentiellement, donc on retrouve beaucoup de sport, la tauromachie. J'aime la couleur aussi. Donc on retrouve l'humain également et la tradition. Vous êtes inspiré par notre région? Oui, parce que bon, je suis natif d'ici, enfin de la région, de ma famille. Je suis né à l'étranger, j'ai vécu longtemps aussi à l'étranger, en Outre-mer, mais je suis revenu aux sources à partir de 80. Quoi. D'accord, alors vous vous appelez Didier, mais alors pourquoi avoir changé de prénom? Idan, c'est un pseudonyme qui est né en 92 pour les Jeux d'Albertville. Oui, justement, alors parce que vous avez fait des fresques justement durant, pendant les JO d'Albertville. Oui, on a décoré tout l'espace à la 92 d'Albertville par une soixantaine d'œuvres. Qui était une technique encore, enfin que j'ai un peu abandonnée, qui est l'aéromosaïque, qui était une technique d'aérographie. D'accord. Et donc est né là ce pseudonyme Idan, donc Sarsiad Idan. Alors, vous faites des fresques qui, là, c'est des petits formats, parce que c'est, bon, on a même un grand plateau, mais enfin, pas si grand que ça quand même. Donc, vous faites aussi des fresques monumentales. Comment on fait pour sortir sur une imprimante des fresques qui font plusieurs mètres de long et plusieurs mètres de haut? Ben là, il y a des imprimantes jet d'encre qui ont des lèzes importantes. Hein, ça va jusqu'à des 3 mètres. Et on imprime donc finalement le travail, qu'il soit numérique ou plastique du départ. Quoi. D'accord. Il n'y a pas d'original alors? Ben non, dans ce cas-là, non. Dans ce cas-là, c'est une reproduction. La digigraphie est un système de reproduction d'œuvres d'art. D'accord. Hein. Mais vous n'avez pas envie, vous, de créer à la base? La photo, c'est-à-dire. Oui, parce que vous faites de la reproduction. Oui. Mais à la base. La digigraphie, c'est un système de reproduction de mes œuvres, mais les œuvres, toutes les œuvres qui sont ici sont créées par l'outil graphique. C'est-à-dire qu'on utilise la vidéo et la photo numérique, mais derrière ça, il y a une palette graphique, des systèmes, une technique qui permet de faire des superpositions, de travailler la couleur, quoi. Mais par un autre outil qui est l'outil numérique. Ce n'est pas le pinceau le couteau ou le fusain ou le pastel. Et d'ailleurs, ce cheminement de travailler le numérique, parfois, m'amène à travailler une œuvre créée entièrement numériquement
de la travailler ensuite d'une façon plastique traditionnelle, c'est-à-dire avec les couteaux, les pastels, enfin. Donc vos thèmes de prédilection, c'est également c'est le mouvement et la couleur. Mm-hmm. Parce que justement, vous avez dit que vous capturiez en fait des images vidéo et ensuite vous les traitiez et ensuite vous utilisiez justement le principe de digigraphie pour sortir les images qu'on a là. Mm-hmm. Mais pourquoi avoir mis l'accent justement sur ce mouvement? C'est quelque chose qui m'a toujours intéressé, le mouvement. Donc au départ, d'ailleurs la première technique aéromosaïque, qui était un système de carreaux, permettait d'avoir ce mouvement, mais avait un grand défaut, c'était qu'elle était, était très trouble, quoi. Elle apparaissait un peu comme ce codage de canal, vous voyez, d'effet mosaïque. Et alors après, une fois que j'ai découvert l'outil numérique, ça m'a permis, de, par ces outils, par ce système graphique, de faire ces effets de mouvement. À votre avis, est-ce que c'était l'évolution logique de la photographie ? L'évolution logique de la photographie, mais mon évolution sûre, parce que dès que j'ai trouvé cet outil, de toute façon, les artistes utilisent toujours l'outil du moment. Et l'outil numérique est un outil extraordinairement créatif. Mmh. Et bon, je ne suis pas le seul à travailler dans ce sens. Hein. Il y a beaucoup d'artistes d'ailleurs qui utilisent l'outil numérique, même comme base pour travailler par-dessus avec des arts plastiques traditionnels, quoi. Mais c'est un outil à part entière et qui va se développer progressivement. C'est pour ça que la digigraphie, Epson a bien compris que demain, il va avoir un... L'art numérique a besoin d'une pérennité et a besoin d'avoir ses lettres de noblesse. D'accord. Voilà. Alors là, bon, vous exposez sur ce plateau. Quelles sont vos prochaines expositions, justement ? Là, d'ailleurs, derrière vous, vous avez l'affiche du championnat du monde de Cesta Punta, où je serai présent à Saint-Jean-de-Luz durant la fin septembre, début octobre. Et puis la prochaine exposition, c'est une exposition en Allemagne également, qui va regrouper donc tout le comité, ce fameux comité des sages, enfin c'est un peu pompeux, mais comité des sages, où on va réunir donc les différentes digigraphies pour présenter cela au public allemand. D'accord, en espérant que ça prenne un essor conséquent et justement que ça puisse partir dans le monde entier. Merci beaucoup Idan Sarcia d'avoir répondu à nos questions, d'être venu sur ce plateau et de nous prêter pendant tout ce week-end justement.